Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Atelienne pour l'Open World Forum 2013. Avec moi, des membres de la communauté OpenStack française, ils sont venus en force sur le plateau. Alors Jonathan, tu peux peut-être commencer par nous la présenter un petit peu, cette communauté. Donc la communauté OpenStack française existe depuis un certain temps avec pas mal d'initiatives comme les OpenStack in Action qui ont été lancés par Innovance, après les Meetup OpenStack qui ont été lancés notamment sur à l'initiative d'Erwan Galen. Et là depuis le début de l'année, on travaille en fait à agrandir cette communauté, à faire tourner les événements et à essayer de traiter différents sujets. Donc en gros d'attirer des nouveaux utilisateurs de différents profils dans la communauté. Aujourd'hui c'est environ 400 personnes qui se réunissent régulièrement. Et voilà, et on travaille principalement aujourd'hui à Paris, mais aussi en région. Voilà, donc en région, je crois qu'il y a pas mal de choses qui se font, Dave. Tout à fait, on a notamment deux meet-up régionales en France. Mmh. Donc il y a un qui est à Toulouse, notamment ils ont un meet-up fin novembre lors du Capitole du Libre, d'accord, de OpenStack. Et puis également à Rhône-Alpes, que j'ai démarré avec d'autres personnes habitant dans la région. On a déjà eu un meet-up à Grenoble. Mm-hmm. On enchaîne avec un meet-up à Genève, chez CERN, en conjonction avec OpenStack Suisse. D'accord. Et puis on va suivre début d'année prochaine avec un meet-up à Lyon. C'est déjà pas mal. Hein. Ça marche déjà bien. Et puis, je crois qu'à Paris, on a un peu une idée derrière la tête pour dans les mois qui viennent. Exactement. En fait, on essaie de convaincre la fondation OpenStack, c'est-à-dire l'organisation qui gère la communauté OpenStack mondiale, d'organiser son summit. On organise des summits tous les 6 mois aux États-Unis et puis le prochain à Hong Kong. Et on aimerait bien que le suivant soit à Paris. Mm-hmm. Parce qu'on a un mix de personnes qui travaillent sur OpenStack de différentes façons, qui utilisent OpenStack de différentes façons, qui constituerait une excellente base pour l'organisation de ce meet-up. Et puis on a des infrastructures qui sont quand même pas mal. Ouais. Ça serait bien d'avoir Paris qui soit un peu le centre d'OpenStack pendant une semaine, la durée du summit. Mm-hmm. Alors une communauté, il y a des utilisateurs, il y a des développeurs aussi, ce qu'on oublie souvent, je crois, Thierry. Oui, c'est un des aspects, je dirais, qui passe inaperçu. On a l'impression que c'est développé essentiellement aux États-Unis. Et en fait, c'est une communauté qui est très mondiale. Et même si on utilise l'anglais principalement pour communiquer entre nous, il y a des développeurs partout, y compris en France. On a actuellement en fait un gros contingent de développeurs en France, notamment via Innovance et d'autres sociétés qui contribuent à OpenStack directement. Et c'est pour ça qu'au niveau de la communauté OpenStack France, on essaie aussi de diversifier un petit peu les réunions, d'avoir des choses qui sont plus orientées vers les contributeurs courant d'OpenStack, des choses qui sont plus orientées vers la découverte de ce qu'est OpenStack, et qu'on ait un panel un petit peu complet. Et donc on espère que toute cette communauté pourra se réunir à l'occasion d'un OpenStack Summit à Paris l'année prochaine. Très bien, bah écoutez, on espère que ça va marcher. Hein, en tout cas, une communauté qui existe, qui se fédère, qui s'organise. Hein, ça va le faire, je pense. Hein. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous pour d'être venus sur ce plateau pour représenter cette communauté française. Merci. Merci. Au revoir.